suis M. Bouni Innocent Georges Alex. Je suis résident au quartier Gikanga. Je suis pharmacien d'officine. Voilà. Donc là, je suis là en qualité de membre de l'ONG. Donc je suis très heureux d'avoir pris part à cette rencontre. Au sorti de cette rencontre, il faut dire que c'est un processus qui a commencé depuis longtemps, qu'il faut saluer, parce que, au-delà de tout ce qu'on dit, c'est que l'inondation sont responsables de mort. Et là où il y a la mort, je pense qu'il faut vraiment mener toutes les actions utiles pour éviter que ça se reproduise. Je voudrais profiter pour saluer la mémoire des illustres disparus et dire que le processus est en cours parce que bientôt nous allons rentrer dans la saison des pluies et à mon avis, il est temps de faire sien l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Je pense que c'est dans cette logique-là que s'inscrit l'ONG. Alors la prévention c'est quoi? C'est comme l'a dit l'ensemble des participants à cette table, la prévention consiste à sensibiliser nous-mêmes, nous les populations, sur les bons comportements pour éviter que, justement, lors des saisons des pluies, toutes les ordures que nous déversons ça et là dans notre environnement soient à l'origine, n'est-ce pas, de ces inondations. C'est vrai que les autorités auront en charge de faire leur travail, mais si nous-mêmes, nous n'avons pas à cœur d'avoir les bons comportements pour éviter tout ce qui est désagrément, il est clair que, on va dire que le résultat ne sera pas ce qu'on attend. Donc le fait déjà que cette réunion associe les responsables des quartiers et les chefs des différents groupes présents, je pense que c'est une très bonne stratégie. Ça permettra à chacun, à son niveau, de passer l'information aux habitants en ensemble de Grand Bassam, mais particulièrement dans les zones qui ont connu des affres, des désagréments l'année dernière. Je pense que c'est ensemble, comme l'ont dit l'ensemble des participants, que nous pourrons réussir l'opération zéro inondation pour cette année 2024. Alors je voudrais vraiment féliciter le président et son bureau pour son dynamisme, pour leur leadership. Je crois qu'en pareille circonstance, c'est la répétition, hein, n'est-ce pas, de ces différentes actions qui permettront d'avoir des résultats plausibles. Il faut être patient mais déterminé sur la feuille de route que le bureau va tracer. Et il faut que chacun de nous, nous puissions mettre la main à la pâte pour qu'au finish, à la fin de la saison des pluies, pardon, nous nous retrouvons à faire le bilan de zéro inondation, zéro mort, et qu'on puisse mettre en place, n'est-ce pas, des stratégies à plus ou moins long terme pour que nous n'ayons pas à vivre encore pareil affre que ce qu'on a connu l'année dernière. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et merci déjà pour cette initiative qui est à saluer. Je crois que nous, quand on va rentrer à la maison, en tant que chef de famille aussi, la première action à faire sera encore de communiquer envers nos épouses et enfants et bien sûr le personnel de ménage pour adopter les bonnes pratiques.